Bonjour, je suis la pasteure Carmen Lansdowne, modératrice de l'Église unie du Canada. Au cours des derniers mois, j'ai beaucoup réfléchi à la nature de la vie et du travail que nous menons au sein de l'Église. J'ai réfléchi à cette mauvaise nouvelle selon laquelle les Églises sont en déclin, l'Église unie étant plus touchée par cette tendance au Canada. La viabilité financière de notre Église est remise en question. Le nombre de bénévoles diminue. Même au niveau national, il y a des postes vacants dans nos comités. Pour certains, l'Église est possiblement en crise, alors que pour d'autres, il ne fait aucun doute qu'elle est en crise. Mais ceci n'est pas nouveau. Pensons à la crise que vit Marie de Magdala dans ce passage biblique. Toute la communauté de Jésus est plongée dans une véritable crise qui semble n'avoir aucune issue. Jésus a été crucifié parce qu'il remettait en cause le status quo, l'ordre impérial du monde romain de l'époque. Par ses paraboles, sa voix prophétique, la guérison et la prière, Jésus a contesté l'ordre établi. Il a demandé aux gens d'envisager un monde différent axé sur le discernement de la volonté de Dieu pour l'humanité. Ces personnes ont cru que Dieu les aimait et continue à les aimer. Tout était très bien durant la vie de Jésus. Mais après? Pendant des siècles, voire des millénaires, nous avons continué de nous tourner vers les Écritures pour y chercher des conseils sur notre foi, notre vie et la vie de l'Église. Mais l'histoire de Pâques n'est pas une histoire de paix et d'espoir bénin. C'est une histoire de perturbation, de deuil et d'incertitude. Et au milieu de tout ce bouleversement, Jésus s'est présenté à Marie de Magdala, l'a appelée par son nom et a lui dit « Mais je suis encore là. Tu ne peux pas t'accrocher à celui que tu crois connaître. Va le dire aux autres. » Nous sommes habitués à mener une quête audacieuse de justice en utilisant l'histoire de Jésus. Mais qu'en est-il de notre appel à une spiritualité profonde et à une vie de disciple dynamique? Nous ne voyons pas, n'entendons pas et ne parlons pas beaucoup de ces choses. L'Église en remplit de disciples fidèles à Dieu, oui, mais qu'est-ce que cela signifie pour notre volonté de nous aider les uns les autres à devenir des meilleurs disciples? Voici le message que je veux exprimer pour l'Église. Je souhaite que nous entendions l'appel de Jésus à une spiritualité plus profonde et à une vie de disciples plus dynamique. Devant l'incertitude que suscite le soi-disant déclin de notre Église, rappelons-nous que notre foi nous appelle à croire en un Dieu qui se manifeste et agit dans le monde. Même dans nos moments de peine de plus sombre, le Christ ressuscité se manifestera, nous appellera par notre nom et nous dira que ce n'est pas la fin de notre histoire. Que signifie s'ancrer dans une tradition de foi qui n'a connu que très rarement des moments où elle n'était pas en crise? Une tradition qui, depuis 2000 ans, a choisi la foi, l'espoir et l'amour, malgré les obstacles. Cette année, à l'occasion de Pâques, ma prière pour l'Église est inspirée des paroles de Martin Luther King Jr. N'oublions jamais que la vie de disciple signifie se rassembler pour suivre la voie et les enseignements de Jésus et croire en un chemin qui n'existe pas encore, non seulement dans notre quête audacieuse de justice, mais également dans notre formation en tant que disciple de l'histoire du Christ. Qu'il en soit ainsi. Amen.